Alors ici, une caravane Fendt Bianco 515 SKM. Donc une caravane de taille intermédiaire, pas petite et pas la plus grande non plus. Alors quand on entre dans cette caravane, on a deux bunk beds, donc deux lits superposés avec des fenêtres dédiées à chacun des deux lits et puis un lanterneau au-dessus. Petit lanterneau pour celui qui dort au-dessus. Donc celui qui dort au-dessus, il est plutôt bien. Hein. Une belle longue fenêtre et un lanterneau. Celui qui dort en dessous, il est un tout petit peu moins bien doté. Mais bon, il n'a pas à s'embêter à monter à l'échelle. Alors il y a aussi ici une séparation. C'est pas mal ça. Hein. C'est pas mal du tout. Alors est-ce que c'est aimanté? Je pense que c'est aimanté, oui. On dirait... pas mal du tout, hein. Et puis même si ça tombe, c'est durable, c'est léger, c'est durable, et puis c'est même très esthétique, très sympa. Enfin, je trouve que c'est pas mal. Bon, il faut peut-être le ranger. Alors par contre ici, pour l'attacher, au lieu de faire refaire un système à aimant, il y a ce genre de clips apparemment. Ça, c'est pas terrible. J'avais pas vu, hein. Les gens qui dorment là par exemple, ils ont aussi des petits espaces pour mettre des choses. Donc une belle grande cuisine. Donc c'est en fait dans beaucoup de modèles, on retrouve les mêmes choses. Hein. Donc ici cette cuisine, je l'ai déjà vue dans d'autres modèles Fendt. Donc trois tiroirs, puis gaz avec trois feux et un évier. Et donc il n'y a pas de surprise, on sait à quoi s'attendre. Ici au niveau du rangement supérieur, bon, des grands placards, voilà, c'est grand, ça va être à peu près pareil ici. Ici dans la cuisine, il y a aussi de quoi stocker de l'alimentation. Alors encore une fois ici, les trucs se dévissent quoi. Un beau réfrigérateur domestique avec conservateur. Et ici en dessous, c'est un rangement. Et puis, je sais pas si je vois pas ici, c'est le passage d'eau qui est là. À côté du réfrigérateur, une grande penderie. Et puis le chauffage en dessous. Donc c'est moquetté. Donc c'est très cosy. Hein. Les teintes. Bois ou parois très claires, la moquette, tout un petit peu coordonné. Il n'y a finalement que le bleu du salon qui vient faire tache, si j'ose dire. Mais et ici, enfin, ceci dit, il y a peut-être une liaison, j'ai l'impression. Il y a un petit côté bleu ici aussi, mais bon, peut-être juste une illusion. Donc, ici, ils ont choisi du marron, clair, et puis un peu de bleu aussi. Bon, moi, j'aurais peut-être pas mis de bleu, mais bon. Alors, le salon, une belle table. Vraiment beaucoup d'espace pour les jambes, là. Parce que là on voit pas trop, mais il y a un bel espace entre les deux banquettes. Donc, du coup, les gens qui ont des jambes, eh ben, ils trouveront un peu de place pour les ranger. Là, ici, il y a aussi très grande fenêtre. Donc, double vitrage, a priori, hein. Il n'y a pas de souci. Double vitrage. Et rangement au-dessus du salon. Alors, les rangements. Trois charnières ici, bon. Toujours ce petit système hein, qui vient, c'est du plastique ici, mais bon, après si ça casse, peut-être qu'on peut le changer facilement, je ne sais. Un lanterneau juste au-dessus de ma tête, donc au milieu de la caravane, il y a un lanterneau sur le toit. Donc il y a un deuxième lanterneau au niveau des bunk beds, des lits superposés. Il est peut-être plus petit. Il y a un troisième lanterneau au-dessus du lit. Donc ici on a un lit transversal
Bon, ici, ils ont mis des draps, mais ils ont laissé le plastique du matelas. Mais on enlève le plastique du matelas. On a presque envie d'aller dormir là. Voilà, on pourrait faire une bonne sieste ici, là, je le sens. Donc, beau petit lit transversal, un petit espace pour faire, pour ranger des choses ici. Donc, c'est l'avant ici. Donc, j'imagine, il y a le coffre à gaz là devant. Les petits rangements, enfin, les petits rangements, ils sont pas si petits que ça. Au-dessus du lit, on voit ici, je sais pas si c'est à l'utilisation, c'est déjà usé. Des liseuses qui chauffent, qui chauffent, qui chauffent. Des prises ici ou là. Et ici aussi, j'ai pas vu. Donc, cette séparation, ce rideau d'intimité, il fait que ben, on peut être en totale intimité si on le souhaite. Total. Au moins au niveau de la vue. Il y a un support télé sur et qui a priori est orientable dans les deux sens, mais bon. Si, on peut regarder au niveau du salon. On peut regarder la télé. Et on peut regarder la télé au lit. Donc, que demande le peuple hein. Donc un beau bébé. Belle caravane, Fendt. J'ai pas regardé le prix, ça doit coûter cher hein, quand même. Je sais pas combien ça peut coûter. À mon avis, c'est des joujoux qui doivent coûter 30 000 euros, voire plus. Est-ce que ça les vaut ?